Je m'appelle John William Thompson. J'ai survécu à tellement d'épreuves, à tellement de combats. J'ai côtoyé la mort de si près. En fait, je crois que je suis déjà mort, et depuis longtemps. Depuis le jour où je me suis dit que je devais cesser de me battre. Mon père avait un ranch à Newcastle, au Texas, quand il m'apprenait à tirer avec son calibre 74. Il me disait souvent que la vie était comme un objet. On se rend compte de son importance, qu'au moment on est sur le point de la perdre. Aujourd'hui, je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus cette constante adrénaline face au danger. Sur le terrain, j'étais le meilleur. Et mes supérieurs le savaient. C'est pour ça qu'ils nous ont mis tous les trois dans le même groupe. Moi, Billy the Gun et Teddy Jones. Je me souviens encore de cette mission au Vietnam. Chef, il est où Thompson? On arrive en territoire ennemi. T'inquiète pas pour lui. Il sait très bien ce qu'il fait. Une cinquantaine de tongs. De nombreux soldats auraient fui devant ce spectacle. Mais pas nous. C'est chez moi. Qu'est-ce qu'on s'était éclaté ce jour-là? J'imagine que vous vous demandez comment a terminé cette histoire. Teddy a tiré sur Billy, croyant que c'était un jaune. C'est l'accident bête. Mais bon, c'est la guerre, pas de quoi lui en vouloir. Il est mort pour l'Amérique, et c'est tout ce qui compte. Et aujourd'hui, c'est plus pareil. J'ai de plus en plus de mal à trouver du travail. Peut-être que la guerre ne passionne plus ces politiciens de merde. Peut-être que l'Amérique n'a plus besoin de héros comme nous. Non, le monde aura toujours besoin de nous.